les gens, c'est Drake Survie aujourd'hui. On se retrouve sur The Crew 2. Tout bonnement, on a commencé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière fois sur The Crew. Bah moi, je continuerai de mon côté. Parce que il y a Forza Horizon 5 est sorti, comme vous l'avez vu sur la chaîne pour ceux qui me suivent. Donc ça sera la dernière fois, donc on va là, ça sera surtout de l'hypercar. J'ai fait déjà tout ce qui était basse altitude, slalom et radar, donc les trois catégories qui étaient simples. Donc pour ceux qui l'ont fait, voilà, il reste une journée, donc c'est la dernière fois, c'est le dernier jour qui va se dérouler, donc normalement je devrais pas avoir trop de mal à faire de pas mal de points. Donc vu qu'il reste que 3 trucs à faire, on verra si une voiture est pas trop chère et on se prendra une voiture qui est pas trop chère. Mais vu que ça fait un moment que je ne suis pas venu, j'ai pas beaucoup de thunes, donc on verra bien. On verra bien. Donc on va déjà faire, l'hypercar, donc qui est en changement de voiture, et on finira par hypercar en normal. On verra bien si la vidéo dure pas trop longtemps. Je verrai si on peut se prendre une autre voiture. Et voilà. Donc c'est parti. Donc on lance la partie. Alors donc normalement c'est changement de voiture. Donc c'est soit si c'est hypercar, normalement c'est soit c'est des chemins de terre, qui serait vraiment dommage. Ah non, ils changent, ouais d'accord. Ils prennent. Bah, je vais prendre la Ferrari Roche. Parce que c'est la Ferrari qui est. Ok, alors ça bug un peu. C'est pas vous qui buguez, c'est moi. Donc voilà. Donc dernière fois pour le plaisir, parce que c'est vrai que ce crew est quand même l'un des jeux qui est vraiment bien. Et au moins on bug pas. Bon. Le souci c'est que The Crew, voilà, on a fait vite le tour. Bon, je les ai déjà semés. Ouais, en fait, hypercar, on est un supercar là. Ah non, parce que. Ah non, peut-être que la course c'est normalement pour les F1. Donc oui, les Ferrari. Les ferrins, comme dirait l'autre. Au moins ça bug pas, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que passer du temps sur Forza Horizon quand t'es en ligne et puis que tu fais que de bugger, c'est chiant. Ça par contre, j'espère que ça va être réglé assez rapidement sur Forza Horizon, parce que clairement c'est vraiment dommage que sur Forza Horizon 5 le jeu vient de sortir et le jeu fait que de bugger. Donc, prends son temps, Bruce. Oh, on est tranquille là. Ça m'étonnerait pas que je rattrape encore le Bruce, parce que j'ai l'impression que
C'est le mode escargot chez lui. Et en plus de ça, je crois bien que c'est la course qui vaut le plus cher, je crois, qui donne le plus de thunes, si je me trompe pas. Putain, ça fait plaisir de conduire une voiture qui dérape pas. Parce que alors Forza Horizon 5. Bon, ça. Toujours obligé de freiner, mais c'est sûr que sur Forza. Voilà, c'est du patinage, quoi. C'est. C'est même chiant des fois, c'est même très chiant parce que quand t'es en course contre d'autres bots. Attends, j'ai fait combien? Ah ouais, j'étais en train de me dire, je croyais que j'avais pas fait. Bon, on va passer. Voilà, c'est de la pluie, on va attendre. On va faire en dernier. Oula. Bon, bah là, on va être dans les montagnes, je crois. La voiture de la traîne, deuxième partie. Ah. Bon, on va rester avec la Ferrari. Oh non, on aurait pu prendre une autre bagnole. Vu que toutes mes hypercars, les hypercars sont toutes au même niveau normalement. Bon, à part certes, elles sont pas en légendaire pour certaines, mais je crois bien qu'elles y sont toutes. Ça fait un moment que je les avais pas, que je les utilise pas. Il gagne la course. Je suis tout seul? Ah non. Ok. Vous avez rien vu, ça pas. Ok, c'est quoi cette course là? Oh, c'est la course de merde. N'y crois pas trop. Ah, j'aurais pu le rattraper avec le saut. Mais je l'ai pas pris. On va dire que c'était 5 minutes de répit pour être premier. Attendez. Comment on fait déjà pour changer de vue? Comment on fait? Non, c'est pas ça. Pas ça non plus. Eh, c'est ça! Bon.
Ouais, oh! C'est un bateau, un joueur, ça! Alors, de pas voir où on va. Après, c'est un peu ça, hein, quand tu fais des trucs comme ça en vraie vie. Bon, dans la vraie vie, on passe pas sur les toits avec une bagnole, quoi. Vous imaginez? Ah oui! Bah oui! Ah bon, bah là, je suis con. Ah oui, je me dis, mais le saut, habituellement, il est toujours marqué. Bon, bah là, on va être obligé de recommencer. Ouais, quel con! Bah oui, parce que j'ai pris le saut. Et le truc, c'est que de prendre le saut, une fois que t'as pris le saut, comment tu fais pour aller rejoindre la course? Parce que tu vas pas au même endroit. Tu vas où là? C'est après, je me suis dit, mais attends, mais il n'y a pas une couille là, dans le potage là? Bon, changer, on a pris là. Bon, allez, on arrête de jouer. Ça, par contre, circuit du saut, là. Putain, mais non, mais... Mais pourquoi il m'a envoyé à 15 km le machin, là? Allez! Ah putain, fait de la merde là. Et bon. J'ai jamais compris les jeux où ils foutent des bords de 15 mètres, de 50 cm. Hâte de jouer là. Je voulais jouer au con, puis ben voilà. On va le laisser devant pour le moment. Pousse-toi, pousse-toi avec ta lotus. Mais c'est poursuite rivaux là ou c'est comment? Parce que bon. Viens maman! Le suspect est derrière vous, le suspect est derrière vous. Ah bon? Bon, on éteint le gyro. Allez, on reprend le saut. Non, je plaisante. Ah, pas deux fois de suite là, c'est bon.
Oui, parce qu'il a les chunk points, donc si tu prends pas les chunk points, ben tu l'as dans l'os. Ah oui, c'est vrai. Attention à la sortie. Ben voilà. 4 4 4 35. Ben alors là. Oh, on a fait le con, on a fini, ça suffit. Bon. Maintenant un petit tour sur l'appui. Alors je verrai, je couperai peut-être mon... Bah peut-être pas, non, même pas, parce que bon... Le moment marrant de cette vidéo, c'est que tu prends le saut en sachant que... Faut pas que tu passes par là. Et pourquoi t'es passé par là? Bah parce que je croyais qu'il fallait... Ah oui, ah bah si, il y a la... Il y a la... Il y a la McLaren. Il y a une des hypercars que j'ai pas amélioré à fond parce que ben... Ça fait peu de temps que je l'avais, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas joué. Terminé ses top 3. Non, non, arrête de m'envoyer des ondes positives parce que quand tu envoies des ondes positives. Quand tu envoies des ondes positives, ça pue, alors ça va. Garde-les tes ondes positives. Putain. Ah, il est gentil le bot, hein, mais tais-toi, quoi. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Doucement, doucement, doucement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'es premier, c'est bon. Calme-toi. Des hypercars qui passent dans les chemins comme ça, c'est... Surtout quand il pleut. Bon, ça va, il pleut, ça glisse pas, heureusement. Chez vous. C'est bien quand on fait pas le con, hein. On est premier. C'est le poteau qui m'a poussé là. Encore que l'arbre me pousse, je veux bien comprendre, mais...
Voilà. Bon, on va voir si on peut se prendre une bagnole. Là, on a la 812, super fast. On a Hypercar Yura. Et on a une Speed Race avec une Golo LP. La 812 m'intrigue. Jamais entendu parler. Si par contre la voiture me dit quelque chose, je dirais bon, ah ouais, d'accord. Mais là, 812 comme ça, non, ça me. Le de nom. Le truc, c'est que les hypercars sont super chers, donc je pense que bah, pour aujourd'hui, ce sera terminé. Donc. Ah bah, c'est une Ferrari. Ah ouais, non. C'est tombé. Ouais, 812 super fast, ouais, c'est la Ferrari de 2017. Ouais, bah là, là on l'a dans l'os. On va voir pour le speed race. Mais je pense que là, au niveau des hypercars, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Puis, pas bah, dernière vidéo sur The Crew. À part s'il y en a qui me disent ouais, continue, machin. Même pour les lives soumis ou quelques courses. Ou pour les événements qui peuvent y avoir. Parce que c'est vrai que je pense que The Crew. Il y a encore pas mal de personnes qui jouent, hein, clairement. Tout à l'heure, j'ai fait un petit tour sur la map. Il y a encore 2-3 personnes qui y jouent. Ouais, c'est une Lamborghini, mais vu le prix. Même là, je peux même pas me la payer. C'est la Lamborghini de 2011. Je suis un peu dégoûté. Et l'autre, c'était quoi la hypercar L'autre hypercar, c'était quoi? Alors, en fait, le nom fini comme ça, là, ça me dit rien. Mais quand tu la vois, la voiture, tu dis, ah oui, c'est d'accord, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, oui, c'est cette bagnole là. Eh ouais, d'accord, ouais. Bah là, ouais, bon. Ouais, bah c'est pas encore aujourd'hui que j'ai encore acheté une bagnole, moi, tiens. Bon, bah les amis, je pense que c'est sur ceci qu'on va se laisser, hein. Je pense que pour cette fois. Je pense qu'on a fait le tour, hein, du jeu. Clairement, on a fait vraiment le tour. J'ai pu. Je pense que moi je continue de mon côté. Après, si vous voulez que je continue, moi, à vous faire quelques vidéos, je le ferai. Mais je pense pas que je continuerai parce que ça sert strictement à rien. Les lives soumis, je pense qu'à un moment donné, on se retrouvera toujours avec les mêmes courses, les mêmes voitures. Certes, voilà, hypercar, on a du drac, on a du drac. On a du speed race, on a des tout-terrains, on a du bateau, on a de l'avion. Alors moi déjà l'avion, j'en fais rarement clairement sur la chaîne parce que l'avion est clairement très compliqué, moi je trouve sur The Crew à piloter. Après au niveau des comme je l'appelle moi de l'aéroglisseur, c'est pareil, ça glisse trop. Si vraiment on a comme moi j'ai la main dure sur l'accélérateur donc j'accélère un peu de trop donc dès que t'arrives dans d'accord ok dès que t'arrives un peu de trop sur le sur le l'autre il passe devant il gêne pas il court quand tu passes trop voilà quand t'es trop sur l'extérieur ou quoi que ce soit bah tu glisses ouais c'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant, il est un peu paumé le garçon. C'est un peu dérangeant qu'on puisse pas faire quoi que ce soit autre, en fait. Putain, mais il y a du monde aujourd'hui.
Il y a du monde aujourd'hui, hein. Clairement. The Crew, je pense que même si Forza Horizon est devant, va être devant pendant un petit moment, mais je pense que moi, par exemple, moi qui ai déjà terminé les événements principaux, je vais essayer d'avoir des voitures, je vais essayer d'avoir des trucs comme ça. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de bugs sur Forza Horizon, qui est clairement dommage. Qui est clairement dommage parce que Forza est quand même l'un des jeux les mieux, je trouve, moi, Forza Horizon, je pense. Après, il y a beaucoup de choses que là, clairement, la map, je trouve qu'elle est vraiment trop petite. Franchement, on passe du bout gauche à la bout droit assez rapidement, quoi. On a une autoroute qui va direct à chaque bout de la map. Bon, comme dans toutes les The Crew, il y avait ça. Mais ça mettait un peu plus de temps. Je crois bien que la map, elle a réduit. Elle a réduit clairement. Alors après, on va me dire, ouais, mais c'est le Mexico. Alors, de ma part, je sais pas combien d'hectares elle fait la map. Clairement, il faudrait que je regarde. Si j'arrive à trouver, je vous la mettrai là pour Forza Horizon, la taille de la map. Mais je crois bien que Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5. Forza Horizon 4 était clairement plus grand, même si on va me dire, ouais, mais c'était une autre map. Oui, d'accord, mais clairement, il y a certains endroits, déjà au niveau de Forza Horizon 4, moi je voyais, on glissait pas tant que ça. Les bugs, il n'y en avait pas tant que ça au début du jeu, et là, clairement, c'est du bug sur bug. La map, c'est une catastrophe. Pour lancer le jeu, je le lance deux fois, moi, Forza Horizon 5, pour vous dire. Donc c'est vraiment dommage. Bon, bah c'est sur ceci qu'on va se laisser, les amis. J'espère que cette dernière vidéo sur The Crew, à part si l'envie me donne de refaire une vidéo sur The Crew, je ferai une vidéo sur The Crew. Mais je pense que maintenant, les vidéos sur The Crew, ça sera un peu comme Fortnite, où il y a vraiment un événement. Où il y a un truc comme ça. Après, je reviendrai peut-être en live dessus. Alors pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de retour de live. Pourquoi? Bah parce que bah, j'ai plus de logiciel pour live, clairement. Et vu que bah, j'ai plus de micro en particulier, j'ai que celui-là. Et normalement, je liveais avec OBS. Et vu qu'OBS buguait clairement, radicalement, et ça me gonflait, alors je pense que c'est le PC qui est assez vieux. Donc j'ai préféré arrêter, vous faire des vidéos, ça sera beaucoup mieux. On va me dire, ouais, mais tu vas louper des trucs avec. Alors, je louperai peut-être des trucs. Mais je vous invite à me mettre des commentaires, machin. Et ça m'aidera. Et clairement, si vous avez des trucs à me dire en me disant, ouais, est-ce que tu peux pas faire ci, est-ce que tu peux pas faire ça, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Parce que normalement, je vais récupérer. Normalement, la semaine prochaine, normalement, je pourrais jouer au nouveau Gold War qui est sorti. Alors il y a déjà pas mal de personnes qui en ont fait. Je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Donc l'Interacide, tout ça. Il y a pas mal de personnes qui l'ont fait en live, en vidéo et puis tout ça. Je vous invite à aller les voir. Et puis on se retrouvera la prochaine fois. Donc demain, il n'y aura pas de vidéo. Jeudi, vendredi, normalement, on retourne sur un jeu, si je ne me trompe pas. Et vendredi, normalement, on ira sur Forza Horizon 5 pour d'autres courses. On va faire quelques courses, on va faire quelques tops, et puis voilà. On se dit à la prochaine, les gens. C'était Drake Survie. Peace.